Parmi les œuvres, je saisis les vertus de Jésus et tous les enfants que tu as eu avec elle. Regarde ce qu'il me fait, je les saisis par la gorge et je les égorge, égorge. Tu prennes au dernier de celui qui est le plus aimé, de celui qui est le moins aimé, tous les enfants que tu as eu avec lui. Je les égorge, égorge. Tu prennes au dernier, je les donne à mort. Bois le sang. Fais ce que tu as le sang. Fais ce que tu as la chair même. Bois le sang de tes enfants. 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 J'ouvre ta bouche. Et maintenant tu bois le sang de tes enfants. Bois le sang de tes enfants. Allez, bois-les. Bois-les. Voilà, 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 voilà le sang de tes enfants. Puisque tu as la chair, devant la chair de tes enfants, devant la chair de tes enfants, devant la chair de tes enfants, devant la chair, devant la chair, devant la chair, devant la chair. Retirez pas de venir se voir. Au nom de Jésus. Allez, retire. Allez, retire. Allez, retire. Je renverse tes hôtels. Je mets le feu dans tes sanctuaires. Je renverse tes hôtels. Je mets le feu du Saint-Esprit dans tes sanctuaires. Enlève les bagues. Je t'ordonne au nom de Jésus. Retire les bagues que tu as mis à ses doigts. Retire les bagues que tu as mis à ses doigts. Retire-les. Pourquoi tu ne veux pas les retirer? Allume la lumière. Qu'est-ce qui te lie à elle? Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te lie à elle? Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te lie à elle? Qu'est-ce qui te lie à elle? Tu as l'un de ses parents, c'est ça? Je l'ai de ses parents, c'est ça. Je l'ai de ses parents, c'est ça. Tu es qui exactement? Tu es qui exactement dans la vie de Véronique? Par le nom de Jésus. Tu es qui exactement? Par le nom de Jésus. Dépêche-toi. Par le nom de Jésus. Tu n'as plus d'autorité. Tu es son nom. Tu es son nom. David. Tu es son père. David. Tu es l'un de ses ex. Tu es l'un de ses ex. Par le nom de Jésus. Par le nom. Tu es qui exactement? Tu as dit que tu es l'un de ses parents. Tu es qui? Tu es sa mère. Tu es sa maman. Tu es sa maman. Tu es sa maman. Tu es sa maman. Delila. 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 Ouvre la bouche, bois le sang de Jésus. Le livre d'Apocalypse 12, 11 dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Allez, vomis tout ce que tu as mis. Allez, vomis-les. Vomis-les. Allez, 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 vomis-les. Vomis tout, vomis tout. Dépêche-toi. Allez, vomis tes semences. Vomis tout, vomis tout, vomis tout. Allez, vomis tes semences. Vomis ça. Allez, vomis tes semences. Vomis ça, ça remonte. Allez, vomis tes semences. Ça remonte. Allez, vomis tes semences. 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 Vomis tes semences. Vomis tout, vomis tout, vomis tout. Allez, vomis. Suis-moi tout, allez, vomis. Allez, vomis. Allez, vomis. Allez, vomis. Allez, vomis. Relâche tout. Allez, vomis. Relâche tout. Relâche tout. Allez, vomis. Relâche tout. Allez, vomis. Relâche tout. Allez, vomis. Tout ce qui n'est pas de Dieu remonte et sort d'elle. Les enchantements, les envoûtements, la sorcellerie, les charmes, l'empoisonnement, la chair humaine, le sang humain. Nous commandons que toutes ces choses remontent, 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 et sortent, et sortent, et sortent, et sortent. Vomis tout. Allez, vomis tout. Rien ne va rester. Vomis tout. Rien ne va rester. La chair humaine. Rien ne va rester. Le premier morceau de viande que tu lui as donné. Ça remonte. Le premier vers de sang. Le premier vers de sang que tu as donné. Ça remonte. Ça sort. Allez, vomis-les. Ça sort. Lâche prise. Lâche prise. Allez, vomis-les. Lâche. Allez, vomis-les. Lâche. Allez, vomis-les. Lâche. Allez, vomis-les. Lâche. Allez, vomis-les. Relâche tout. Allez, vomis-les. Vomis tout. Allez, vomis-les. Allez, vomis-les. Allez, vomis-les. Allez, vomis-les. Vomis-les. Dans le nom de Jésus-Christ. Que rien ne reste. Rien ne va rester. Rien ne va résister.
tu sors avec toute ta rage. Prends tout avec ta méchanceté. Prends tout avec la colère. Prends tout le de la sainteté. Les enchaînements, les rituels. Prends tout les implications. Prends tout les sanctuaires. Tout et tout autre chose qui sont liés à toi. Allez, vous me l'avez. Pas vite. Sors, nous mettons feu. Nous augmentons le feu. Nous cassons toutes les résistances qui puissent exister. Nous brûlons toutes les résistances qui puissent exister. Nous augmentons le feu. Sors. Allez, tout. Sors avec ta malédiction. Jésus-Christ, libère les œufs de mort, les œufs de sorcellerie, les œufs du serpent. Vomis les œufs du serpent. Vomis la semence du serpent. Le feu te détruit. Tu ne peux plus résister à ce feu. Allez, fais ton tendresse. Vomis tout ce que tu as mis. Vomis ça. Vomis tout. Et c'est ce démon impur. Ce démon de l'insécurité. Ce démon de l'infériorité. Ce démon de la comparaison. Ce démon de la chair. Et que soit de vous. Libérez-la. Vomis maintenant cette personne de sorcellerie qui règne dans cette famille. Vomis cette malédiction générationnelle qui règne. Vomis maintenant cette méchanceté. Vomis maintenant toute cette colère. Vomis tout. Vomis toute la colère. Vomis toute la colère. Toute la colère. Toute la colère. Les rancunes. Reçois le pardon dans ton cœur. Vomis tout. Reçois le pardon dans ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, console ta servante. Seigneur, je te prie de la consoler. Tu la consoles. Seigneur, change l'état de son corps. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de son corps. Change l'état de son cœur. Saint-Esprit de Dieu, chante l'état de son cœur. Abba Père, chante l'état de son cœur.
Saint-Esprit de Dieu, chante l'état de son cœur. 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 Il y a quelque chose qui est sorti en cœur. Je ne veux pas de la chute. Tu vas voir. Comment nous fouettons les sorciers. La fougère qui pousse le Seigneur. Il a fait sorcier avec. La façon dont tu pleures. Parce que la douleur se multiplie sur ton sang. Ça brûle dans son corps. Je prends maintenant les trois fougères. Je prends les trois corps de Jésus. Je les attache. Je les attache. Je les attache. Tu vas voir ce qui va se passer. On va casser toute ta peau. On va blesser toute ta peau. On va enlever toute ta peau. On va mettre le piment du Saint-Esprit. La façon dont ça va te brûler. Tu vas tout avouer, tu vas sortir. Qu'est-ce que tu as bloqué dans sa vie? Parle maintenant. Parle maintenant. Ok, nous prenons les chicotes. Nous prenons les fougères. Nous allumons le feu dessus. Nous mettons les pointes dessus. Nous mettons l'âme dessus. Nous mettons le couteau dessus. Nous mettons les haches dessus. Nous mettons les épées dessus. Nous mettons le feu dessus. Nous mettons tout ce qui brûle dessus. Maintenant, nous l'enlevons. Aujourd'hui, tu vas apprendre à respecter Jésus. Suis son dos. Fouette son dos. Chicote son dos. Fouette son dos. Chicote. 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 Je mets du piment dans ma chicotte. Je mets du piment dans ma chicotte pour ma chicotte. Maintenant, regarde ce qu'on a marqué ta fille. Nous te versons maintenant le piment. Piment du Saint-Esprit. Dans toutes les plaies. Nous frottons le piment sur ton dos. Nous frottons le piment sur ton dos. Frottons le piment sur ton dos. Frottons le piment sur ton dos. Piment sur tes bras. Piment sur ton visage. Piment sur tes pieds. Ça te brûle. Piment du Saint-Esprit. Piment. 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 Piment dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ton dos, dans toutes les parties de ton corps. Sorcellerie, tu vas plus venir. Quand tu vas voir sorcellerie, tu vas passer le loin. Quand tu vas la voir, tu vas plus venir dans sorcellerie. Ils sont pas les anti-sorciers. Maintenant, nous allons enlever toute ta peau. On va enlever ta peau comme on enlève la peau de bouton. Et sur ton corps rouge. On va prendre la deuxième catégorie de piment orange. Piment orange, ça brûle, ça brûle trop. Mais de toute façon, ça va te brûler ici. Nous prenons la Nous prenons la lame du Saint-Esprit. J'enlève ta peau. J'enlève ta peau. J'enlève ta peau. J'enlève ta peau. La peau sur ta tête. La peau sur ton visage. J'enlève tout. Tout le piment sur ta tête. Nous prenons le piment orange. Le piment orange du Saint-Esprit. On met ça dans ta chair, sa peau. On frotte ta peau. Sur tout ton corps. Piment du Saint-Esprit. Piment orange du Saint-Esprit. Piment orange. Piment orange. Piment orange. Piment orange. Nous te paralysons au nom de Jésus. Quand tu vas quitter, je vais vous traiter les gens. Aujourd'hui, tu vas savoir que Jésus-Christ, on ne joue pas avec ses mains. Quand tu vas quitter ici, tout ce que tu as volé, tu vas sortir la liste et tu vas tout décoller. Et tu sors au nom de Jésus. Tout ce que tu as volé, tu sors avec toute ta confrérie et avec les démons que tu combattais ta fille. C'est toi qui l'as volé sa robe de mariage, n'est-ce pas? C'est toi, non? C'est toi qui l'as volé sa robe de mariage. Parle à Jésus! Parle au nom de Jésus. Parle pas. Ok, regarde ce qui va t'arriver. Les yeux. Envoyez la fourchette. Envoyez le couteau qu'on a utilisé pour casser les yeux de Samson. On met le couteau au feu. Et si tu es le feu, on met le couteau au feu. Si tes yeux, aujourd'hui tu vas voir.
Quand on va finir de casser tes yeux, hein, tu ne vas plus voir de force spirituelle. Et physiquement, on va voir ce qui va t'arriver. Ton sexe avec lequel tu viens avoir des rapports avec elle. On va couper ton sexe aussi. Comme ça, on va voir comment tu as fait pour venir toucher avec nous. Nous mettons le couteau dans le feu. Nous prenons le sexe. Les trois sexes. Nous attachons tes mains. Aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, tu vas plus jamais l'attaquer. Plus jamais. Va prendre sa robe, prends-la lui. Tout ce que tu as son mariage, sa robe de mariage. Très vite. Son mariage, rends-la lui au nom de Jésus. Son travail, sa paix, sa joie, sa santé, son intelligence, sa mémoire, sa destinée, sa vie de prière, sa fortune. Tu lui rends aussi la destinée de son enfant que tu as fait. Dépêche-toi. Obéis. Dépêche-toi, maintenant tu te lèves. On va même pas compter. On va même pas, parce que son compte, ce qui va t'arriver, c'est grave. Lève-toi maintenant. Vas-y par le feu. Dépêche-toi. Tout ce que tu as volé, tu vas te faire. Tu as trois secondes. Tu ne donnes pas. Acte de lien de sang. Tu donnes pas. Acte de lien de sang. Acte de lien de parenté. Tu donnes pas. Tu donnes pas. Hey, tu n'as pas. Aujourd'hui, tu vas souffrir. Parce que le lien de sang qui t'est lié à elle, voilà ce que nous en faisons. Voici l'acte de lien de sang. Non, il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de pardon. L'acte de lien de sang qui t'est lié à elle, voilà. Nous le déchirons. Nous le détruisons. Nous le réinvoquons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'approchons au nom de Jésus. Il n'a plus de valeur au nom de Jésus. Il est détruit par le sang de Jésus. Elle ne t'appartient plus. Elle n'est plus ta fille. Elle n'est plus ta fille. Regarde ce qu'on va faire. Je vois les vies. J'aspire le sang qui est en elle. Le sang qui est en elle. Je l'aspire maintenant. Nous aspirons ce sang-là. Nous aspirons ton sang en elle. Nous aspirons ton sang. Maintenant, ne lui injecte le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, elle est la fille de Jésus. Mets ton sang. On va la dédier à Jésus. Elle reçoit le sang de Jésus. Elle est dédiée à Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Son corps est dédié à Jésus. Son esprit est dédié à Jésus. Regarde. C'est un feu qui coule. À partir d'aujourd'hui, nous effaçons la marque de l'accusation que tu avais soumise, tu avais mis sur son front. Nous retirons cette plaque. Là, qui disait qu'elle était accusée par toi, qui disait qu'elle te devait, qui disait qu'elle était de ton sang, nous retirons cette plaque là d'elle. Et à partir d'aujourd'hui, nous dédions son corps, son âme et son esprit à Jésus. Sa vie est à Jésus. Son âme est à Jésus, s'il vous plaît. Sa personne tout entière est à Jésus. Nous dédions son être tout entier à Jésus. Comme Anne a dédié son fils Samuel au Seigneur Jésus. Nous la dédions à Jésus. Nous dédions victoire à Jésus. Son corps est dédié à Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Son esprit est dédié à Jésus. Ses enfants, ses entrailles, toute sa progéniture jusqu'à la millième génération est dédiée à Jésus. À partir d'aujourd'hui, par cet acte, elle disparaît de tes radars. Elle disparaît de tout ton système de contrôle. Elle disparaît de tout ton système de manipulation. Elle disparaît parce que caché le sang de Jésus. Elle disparaît. Maintenant, rends-lui sa robe de mariage, son travail, son intelligence. Rends-lui sa santé, sa paix. Au nom de Jésus. Rends-lui toute sa progéniture. Rends-lui tous ses biens au nom de Jésus. Obéis. Rends-lui tout ce que tu lui as volé. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Je te donne 3 secondes. Tu t'assois maintenant. Tu t'assois. Tout ce que tu as volé dans la vie de victoire. Et d'ailleurs, nous la baptisons du nom de victoire. Nous la baptisons du nom de victoire au nom de Yeshua Mashiach. Qui es-tu? Tu vas commencer. Tu lui rends sa robe de mariage. Son mariage. Tout ce que tu as volé, tu ne laisses rien. Je suis en train de faire quoi avec cet enfant? Son enfant. Celui-là. Qu'est-ce que tu cherches à lui faire? Tu fais quoi avec lui actuellement? Où vous avez mis son âme? Qui l'a initié? C'est encore toi. C'est encore toi. Qui es-tu? C'est encore la même chose. Tu vas pas mentir, tu as compris. Vous la même bandit. C'est toi qui es en train d'initier le fils de victoire, n'est-ce pas? Tu ne veux pas de petit-fils.
Ce que les autres cherchent, toi on te donne, tu ne veux pas. C'est ça. C'est ça. Mais c'est si, ça. Si tu ne veux pas son petit-fils, mais tu n'étais pas obligé de faire les enfants. Maintenant tu fais les enfants, Dieu envoie les enfants et tu veux les sacrifier à Dieu. Maintenant tu vas te dire, où est-ce que tu as attaché la main? Vous l'avez amené. Vous l'avez attaché. Vous l'avez attaché. Par le nom de Jésus. Chiffre cette histoire. La droite de l'éternel. Maintenant. Que la droite de l'éternel vient t'écraser maintenant. J'entends que la droite de l'éternel descend depuis le firmament. Regarde la puissance. Regarde la force. Regarde le pouvoir de la droite de l'éternel. Écrase ta tête. 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 Tu vas délier l'âme de ta femme. Où tu as mis l'âme de son fils? Fais vite. Lève-toi, va sur ton hôtel. Va sur l'hôtel. T'es pas choix. Prends ton doigt, monte l'hôtel. Prends ton doigt, monte l'hôtel là. C'est où? Au village. L'hôtel est où? Dans quel village? C'est où? Quel créneau? C'est où? Parle. Parle au nom de Jésus. Quand tu partais faire, tu t'es content. Il n'y a pas de repos pour les démons ici. Parle, c'est où? Ni pour les sorciers de ton genre. Nous avons une chasse dans le feu. Nous devons déverser les villages à faire comment? Chasse. Hein? Clan Glassou. C'est là-bas que tu as mis l'âme de ton petit fils. C'est l'âme de victoire. Ils ont fini à se sceller. Va chercher son âme. Abandonne un caillou. Lève-toi vite. Il n'y a pas de repos ici. On te transporte par la puissance de la vertu du Saint-Esprit. On s'en va au village. À Clan Glassou. Nous partons à Clan Glassou. En face de ce rocher. Maintenant, on décolle. 1, 2, 3. Décolle. Décolle, on s'en va. Avec toi, maintenant. Atterris à Kanglasou. Tu es à Kanglasou. Maintenant, nous avons atterri. C'est rocher. Où ça? C'est au cimetière, c'est sous le fromager, c'est où? Parle vite. C'est où? On est à Kanglasou. On est à l'entrée de la ville. C'est où? Prends ton doigt, montre où se trouve le pain. C'est où? Montre. Montre ça. Montre. C'est devant là-bas. Ok. Nous te tirons par tes pieds. Tu arrives maintenant. Tu arrives devant. Ce rocher là. Tu arrives devant. Je lève le rocher. Allez. Attrape. Attrape l'hôtel là. Fais vite. Attrape l'hôtel là avec tes deux mains. Fais vite. C'est ça qui est là. Allez, dépêche-toi. C'est l'hôtel là qui est là. Ok, nous prenons le rocher. Du Saint-Esprit. Nous cassons. Détache-le. J'ai dit détache-le. Regarde ce qu'il vient de faire. Levez la table. Vous allez mettre la valaison de devant. Tu sais ce qu'il vient de faire. Comment est-ce qu'ils ont voulu mettre la valaison de devant. Il a demandé la chose la plus précieuse. Eux-mêmes leur argent. Eux-mêmes leur bénédiction. Ça, comment ça se passe? Mais ça va faire tout bien. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'on tue les manger pour vous. On tue les Africains qui ont le monde de la société. Le monde du cimetière. Ils ne font pas de cimetière. La nourriture, elle, c'est nous manger dans le cimetière. Ça, ils ont choisi de débattre. Mais il y a temps. Mais maintenant, c'est ça que je vais demander de pécher. C'est ça que je vais t'arracher. Je te donne 2 minutes. Fureur de mes délits. Détache-le vite. Allez, obéis, détache-le.
Nous ne lèvons pas cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous ne lèvons pas ta malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous ne lèvons pas cette malédiction. Prends son âme, prends l'âme de tous ses enfants et de toute sa progéniture. Prends aussi ses soins, ses talents, ses dons. Prends son mariage, sa robe de mariage. Tu rends aussi l'argent de son mari. Il doit servir à payer sa dot au nom de Jésus. Tout ce que vous avez voulu. Obéis. Je saisis la lance. Regarde, je la prends dans les cieux de cet esprit. Tu veux la gifote. Tu as vu cette lance-là, regarde, elle est rouge de feu. Elle est rouge de feu. Tu as vu, Simon, je vais te déchirer les jambes. Je vais pouvoir mettre le Jésus marché. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Soulève ses âmes, toutes ses étoiles, et rends-la lui au nom de Jésus. Dépêche-toi. 1, 2, 3, je saisis la lance. Maintenant, dans le Jésus. Obéis. David, dis-le-moi. J'ai dit détache-les. J'ai dit détache-les. Détache-les. C'est comme ça on les détache. C'est comme ça on détache. Tu veux encore la chicotte. Tu veux la chicotte. Tu veux le piment. Tu veux encore. Tu veux la lance. Tu veux le javelot. Bon, détache. David, fais vite. Détache. Fais vite. C'est pas comme ça, détache. Tu caresses ta côte. Coupe ta côte. Coupe. Sectionne-la au nom de Jésus. Coupe les côtes. Toutes les âmes que vous avez dit là-bas. Et puis tu les appelles. Qu'ils sortent. Appelle le nom de l'enfant, il va sortir. Fais vite. Appelle son nom, il va sortir. Je n'ai pas entendu ce qu'on t'a dit. Appelle son nom, il va sortir. Dépêche-toi au nom de Jésus. Je saisis la lance. Je la plonge dans le feu du Saint-Esprit. Tu as 3 secondes. 1. Appelle toutes les âmes que tu as cachées et rends-les à lui. 2. 3. Je baisse ta jambe. Baisse tes jambes. Le javelot perfore jusque dans la terre. Ah, ça va te paralyser ici. Au nom de Jésus. Tu seras paralysé dans la réalité là-bas. Tu te dépêches pas, tu vas voir. De Dieu. C'est ma question ici, c'est l'école du Saint-Esprit. Retourne-toi. Tu te retournes, tu t'assois. Tiens-toi sur tes fesses. Allez, tiens-toi sur tes fesses, on n'a pas fini avec toi. Dépêche-toi au nom de Jésus. On est là devant ton sanctuaire. L'arme de victoire. Aussi toutes ses étoiles, son mariage, sa paix, sa joie, sa vie de prière, sa destinée, sa vie de consécration, tant qu'enfant de Dieu. Rends tout. Ton sanctuaire était cassé, le rocher était cassé. Récupère tout ce qui est à elle et à sa progéniture. Et aussi à son homme, à son promis. Attends, tu veux souffrir? Tu veux souffrir? Que dépêche-toi. Dépêche-toi. Fais vite. Au nom de Jésus. Faut que les écoutes, creuse. Creuse. J'ai dit que sérieusement, ne joue pas avec moi. David. Ne joue pas ici. Creuse vite. Tu crois que c'est ma blague? Ça c'est quoi? Tu veux le sable de sa tête? Allez, le sable de sa tête. Le chiffre de cet esprit. Chiffre de cet esprit. Toutes les étoiles. Les étoiles que tu as. Fais vite. Au nom de Jésus. Allez, Aujourd'hui, J'ai dit creuse, fais sortir toutes les épreuves que tu as volées. Comment tu peux tu libères tout ce que tu as volé. Creuse. Quand tu auras fini de creuser tout ce que tu l'as volé, tu le lui rends sur sa frontanelle. Nous la scellons dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus.
ça le détache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À tout esprit méchant. De venir faire obstacle à son mariage. Au nom de Jésus. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est combien de fois dans le monde? Comme la baisse de pied. Parle vite, c'est combien d'enfants vous avez bénis? J'ai béni ton cinq. Cinq enfants, tu n'as pas de bouche pour parler. Parle au nom de Jésus, c'est combien d'enfants vous avez bloqué? La relâche aujourd'hui. La relâche aujourd'hui. Parle au nom de Jésus, c'est combien d'enfants vous avez bloqué? Seigneur, je suis plus que ta parole. Te pose-les. Commandons que tous ces enfants sont rejoints et que toutes les grossesses soient activées et que maintenant cet enfant pourra enfanter. Il a dit vos incantations et vos implications, descendez dessus. Vous avez caché quoi sur le cimetière? Je sais exactement ce que vous avez mis sur le cimetière. Vous êtes combien? Qui est ton sous-chef? Vous allez quitter ici. Ça, c'est quoi? Ok, je prends ma chicote. Tu dois apprendre à respecter. Ça, c'est quoi? Ouvre tout tes coffres. Donc, la pauvreté qui les frappe, c'est toi qui as pris son argent aussi. Tu as bloqué les finances. Hein? Maintenant, quand tu bloques les finances, toi tu gagnes. Quand ils sont prêts, tu gagnes. C'est un billet. Il faut que tu gagnes. Il reste combien de cash? 2 euros. C'est fini. C'est un billet. Où tu as mis les finances? Fais sortir les agents. Fais sortir les agents. Fais vite. Tu dors. Tu dors. Tu dors. La douleur me déchire le cœur. Coupe ton pied. Je coupe ton pied. Coupe ton tendon. Coupe ton pied. Coupe ton tendon. Coupe tes orteils. Coupe tes orteils. Arrache tes orteils. Coupe tes orteils. La douleur te déchire jusque dans le cœur. Dépêche-toi. Elle est intenable. Et tu ne vas pas pouvoir te lever. Un. Dépêche-toi. Trois. Oui, quand vous volez, comment ça se passe? Quand la personne va avoir une opportunité financière, quand on lui promet de la le couteau va se renforcer dans le conflit. Faut parler, fais vite. De toute façon, vous n'allez pas partir. Nous, ça n'a pas pitié. Parle vite. Parle vite. Ton sang a commencé à couler. Dépêche-toi. Très vite. Prends. Je mets le feu dans ta main. J'active le feu dans ta main. Tu sais comment les sorciers, je n'aime pas votre plan. Quand tu vas recevoir 3 coups seulement de ça, de toute façon, tu vas crier ici. Tu vas raconter tout ce que tu as fait. On ne va même pas te demander. Je te dis encore la dernière fois. Préparez le feu. Fais le feu. Compagnon de ce petit sorcier, quand tu vas quitter là, tu vas quitter ici. Tu vas dire, mais Jésus là m'a attrapé. Oh. J'ai fait plus haut. Oh. Jésus m'a attrapé. Oh. Tes finances. Quand Dieu te donne un enfant, tu gagnes. Et tu le fais souffrir spirituellement. Des choses comme ça. Prends les mains, très vite. Creuse, ne m'énerve pas. Je ne suis plus en train de présenter. Si toutes les filles, ils ont fui, non? Ils t'ont laissé seul. Tu vas juger ça. Demain, si on t'appelle encore en retour dans ce genre de bêtises, tu vas partir encore. Très vite, ramasse les finances là. Prends tous les. Hey, c'est quoi ça? Ça, c'est. Voilà. Rassemble tout. Ça te fait mal. Ça te fait mal, ça te fait pas mal. Tu vas donner.
Là où tu es, tu ne peux plus venir en arrière. Tu es obligé de tout restituer. Soulève ça. Soulève ça. Aujourd'hui, le Seigneur la restaure et toutes ses finances sont restaurées. Et allez dire à votre maître que vous avez échoué. Parce que Jésus-Christ a été vainqueur sur vous. Jésus-Christ, je donne les 1000% à ta vie. Tu ne prends pas les 1000%. Tu vas perdre ta vie. Donc dépêche-toi vite. Soulève la caisse d'argent que tu as lui donné. Bon, ça, c'est la fontanelle. Tu n'as pas soulevé. Nous scellons toutes ces finances dans le sang de Jésus-Christ. Nous commandons au nom de Jésus-Christ que ces finances soient activées. Tout ce qu'elle avait perdu financièrement, nous commandons que cela apparaît maintenant. Cela apparaît physiquement. Et maintenant, nous prophétisons, nous commandons. Va prendre. Va prendre, va prendre, va prendre. C'est là, tu ramasses comme ça. Beaucoup d'argent qui est là, c'est ça, tu prends petit comme ça. Ouvre bien tes mains, ramasse tout. Regardez. Rassemble tout. Tu ne laisses rien. Va-t'en. Retourne dans le lieu sur tous les grincements dedans. Nous écrivons sur ton front. Tu as tenté la sorcellerie sur ta fille et tu as échoué. Jésus-Christ t'a fait échouer. Et que cette pancarte, tu la portes au milieu. Quand on te voit, on sait que Jésus t'a fait échouer. Tu ne peux pas te préciser tes os. Sors au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. C'est fini, papa. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Et tu pars. C'est ton au revoir. Nous te consacrons cette affaire. Nous te la dédions entièrement. Elle, sa vie, ses biens et tout ça. Viens prendre le contrôle de sa vie. Je prends le contrôle de toute son âme. Mais, Père, nous sortons de le feu.